Bonjour, bienvenue pour cette quatrième conférence confinée qui va parler d'astrophysique comme d'habitude, parce que ça s'appelle conférence confinée astro. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Dole, astrophysicien et professeur à l'université Paris-Saclay. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs aspects de missions spatiales, en particulier la mission Planck. Et donc c'est parti. Alors quand même un petit détail pour ceux qui ont l'habitude de suivre. Donc effectivement cette conférence est en direct avec des questions que je vous pose sur le site wooclap.com. Ben, je ne l'ai pas mis. Mais voilà, donc je l'ai mis juste ici. Voilà, je vous conseille d'aller sur www.wooclap.com/astropublic, de vous connecter. Et ainsi, vous pourrez répondre aux questions et faire des petits quiz que je vous propose. Ça permet d'être interactif. Donc ça change pas. Ce qui change suite au problème de la semaine dernière où il y a eu un problème de réseau chez moi, c'est que en fait cette conférence est en léger différé. Donc je l'ai déjà téléchargée sur YouTube, donc vous la voyez en direct, hein, et elle est enregistrée dans les conditions du direct. Mais avec un décalage. De sorte que eh ben, je vais pouvoir parler avec vous en direct sur le chat de YouTube. C'est une grande expérience, je vais tester ça. Et puis, donc je ne pourrai pas vous dévoiler les résultats de vos quiz en direct, parce qu'ils sont faits en différé, mais je vous en parlerai dans le chat, et puis je vous donnerai les réponses dans cette vidéo enregistrée dans les conditions du direct. Voilà, c'est à cause du réseau. La semaine dernière, on avait été un peu tous frustrés, parce que tout s'est coupé à la moitié, donc j'ai quand même enregistré et télécharger la vidéo sur YouTube. Néanmoins, ça serait mieux de ne pas avoir de coupure. Donc voilà, je teste cette nouvelle procédure technique. Donc, je vous propose de commencer comme d'habitude par vous demander votre âge sur wooclap.com. Donc, connectez-vous, j'ouvre la session. Alors, c'est anonyme à chaque fois, hein, mais ça permet de voir si vous arrivez à vous connecter. Donc, wooclap.com/astropublic, et puis vous mettez votre tranche d'âge, hein, et puis on voit si ça marche. Alors aujourd'hui, quatrième conférence confinée astro, pourquoi envoyer des observateurs dans l'espace et comment? La mission Planck, mission spatiale européenne, je suis embrouillé. Un petit mot sur la mission Euclide, parce que je pense que je vais passer du temps sur Planck. Et puis, comme d'habitude, les conseils de lecture et les questions et réponses. Alors là, ça sera sur le chat de YouTube. Alors, comme on va parler de mission spatiale, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt vintage. Alors, seuls les vrais ou les anciens reconnaîtront. Donc, c'est un vrai t-shirt qui a à peu près une vingtaine d'années. C'est écrit SURF, c'est une mission NASA, et donc voilà, le défi de l'après-midi, c'est de trouver quelle est cette mission spatiale sur laquelle j'ai évidemment beaucoup contribué. C'est même écrit voilà, ici. Donc voilà, j'ai ressorti ça de ma garde-robe, le t-shirt collector et vintage SURF, donc mission NASA. Donc à vous de découvrir de quelle mission il s'agit. Parce qu'il y a un petit, c'est pas qu'il y a un piège, mais évidemment, elle a changé de nom après le lancement. Alors, commençons notre session. Pour commencer, j'aimerais parler de notre ami Isaac Newton. Isaac Newton est un scientifique du voilà, 17e, 18e siècle, qui est ici croqué de manière élégante et humoristique par l'indétrônable dessinateur Gottlieb, hein, qui est décédé, dans la fameuse rubrique à braque chez Dargaud. Donc je vous conseille absolument, si vous ne connaissez pas cette BD, de vous enivrer de tous ces dessins et ces concepts, notamment philosophiques. Et donc voici la vision un peu poétique, ironique de Sir Isaac Newton, qui a découvert donc les lois de la gravitation universelle. Alors pourquoi j'en parle? D'abord parce que bon, bah, Newton est un scientifique très connu et qui a vraiment beaucoup apporté à la science en général, l'astrophysique en particulier, et même à la science spatiale, parce qu'on utilise ces lois pour envoyer des corps dans l'espace. On va y revenir dans un instant. Mais aussi parce que récemment des articles sont sortis. Donc voilà une belle image de Newton.
Parce qu'il y a une petite analogie qui pourrait être faite entre, disons, la situation de Newton au XVIIe siècle et notre situation de confinement aujourd'hui. Alors, un parallèle, hein, parce que la situation n'est pas comparable. En effet, en 1665-66, il y a eu la peste bubonique au Royaume-Uni, à Londres notamment, et à Cambridge, voilà, où il était. Et donc il s'est confiné, lui aussi, dans sa ferme éloignée. Et il est resté, alors je ne sais plus si c'est 1 an ou 2 ans, mais en tout cas plusieurs mois. Et c'est là qu'il a vraiment finalisé une partie de ses travaux, notamment sur la gravitation, mais pas que, sur la lumière aussi, hein, le spectre lumineux, on va en parler dans un instant. Et donc l'année 1666 est considérée par les historiens des sciences comme l'annus mirabilis, donc une année exceptionnelle, merveilleuse pour la science, parce que c'est là que Newton a fait l'essentiel de ses travaux. Et donc il y a une petite analogie, il y a certains articles qui sont sortis récemment sur le mode, bah, écoutez, puisque vous êtes confiné, c'est le moment pour vous, soit de faire de la grande science si vous êtes scientifique, soit d'écrire votre œuvre si vous êtes écrivain en herbe ou pas, d'écrire vos mémoires, de faire vos œuvres artistiques si vous êtes artiste. Enfin voilà, c'est ce message de confinement égale, voilà. Productivité dans le bon sens du terme, hein, voilà, création, voilà. Mais alors, c'est pas complètement vrai. Il y a un article d'un collègue qui s'appelle Thomas Levinson du MIT aux États-Unis qui dit qu'en fait, tous ces articles aujourd'hui, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup, mais qui disent que cette période de confinement peut être vraiment propice à la créativité et à enfin, vous allez pouvoir faire plein de choses que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Il dit que c'est essentiellement pipeau parce que, alors je vous conseille l'article, j'ai mis la référence en bas, c'est un article du New Yorker, si vous connaissez, c'est une revue américaine, voilà, de très bon niveau, qui parle de tous les domaines. Et dans cet article, Thomas Levinson plaide pour le fait que cette idée de confinement et de productivité, de création, d'idées merveilleuses de Newton n'a essentiellement rien à voir avec la peste. Hein, le fait qu'il soit confiné n'a rien apporté, c'est juste qu'il a été tranquille. Mais en fait, il a pu montrer, et les études semblent montrer, alors moi je ne suis pas historien des sciences, hein, donc je me fais que l'écho de l'article, donc s'il y a des gens spécialistes, ils pourront nous en dire plus. Mais il dit simplement qu'ils ont des témoignages et des documents de Newton qui disent que depuis très très longtemps, enfin depuis plusieurs années, même s'il était encore étudiant, il avait déjà cette obsession de comprendre le monde, d'essayer de comprendre pourquoi les astres tournent, quelle est l'origine de la masse, quelle est l'origine de la lumière, quelle est l'origine du mouvement. Et donc, ces années de confinement pendant la peste lui ont juste permis de poursuivre son chemin intellectuel et scientifique, et non pas juste en étant posé un peu en vacances, un peu tranquille, en disant, tiens, je vais essayer de chercher. Donc, ces années de confinement pendant la peste lui ont juste permis d'aller plus vite, de faire émerger, de faire s'exprimer toute la science et toutes ses idées et toute sa créativité, plutôt que juste d'être un prétexte à ce que ça apparaisse. Donc en fait, il y a vraiment toute une réflexion de fond et qui le tiendra toute sa vie, hein. Et ces années de confinement ont juste permis de faire émerger des choses, mais son obsession et son idée étaient déjà présentes avant cette période. Donc, on peut essayer d'être créatif et de faire des choses très intéressantes pendant le confinement, mais il ne faut pas non plus survendre la chose. En gros, si on n'avait pas déjà commencé avant, ça sera un petit peu peut-être difficile de trouver des bonnes idées pendant cette période. Néanmoins, je vous conseille d'avoir ce plaisir de faire des nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles choses pendant cette période. Voilà, c'était un petit aparté sur Newton. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi envoyer des observatoires dans l'espace? Alors, je ne parlerai pas de mission humaine, parce que c'est un domaine en tant que tel, et puis voilà, il y a des pour, des contre. Effectivement, scientifiquement, les voyages humains sont toujours un petit peu questionnés. Alors, envoyer l'homme dans l'espace, c'est intéressant, mais pas forcément que pour des raisons scientifiques. Alors, ça sera les seuls
petite partie de mon discours qui sera peut-être un petit peu difficile, après ça devrait se simplifier. Je vais d'abord vous évoquer la notion d'opacité atmosphérique et de longueur d'onde. Alors sur le graphe qui est représenté en haut, je vous ai représenté, j'ai pris ça d'un graphe de la NASA, hein, c'est toutes les longueurs d'onde, enfin une grande partie des longueurs d'onde, disons, considérées simplement dans la nature. Alors c'est quoi une longueur d'onde? C'est une sorte de couleur. Nous, nos yeux voient la couleur, voilà, du violet jusqu'au rouge, les sept couleurs traditionnelles, mais en fait, il y en a une infinité. Les couleurs. Nos yeux voient toutes ces couleurs parce que voilà, nous sommes sensibles. Et puis, la lumière du ciel peut nous parvenir parce que l'atmosphère est transparente aux couleurs visibles. Donc, nous pouvons voir les étoiles, nous pouvons voir les galaxies dans la lumière visible parce que l'atmosphère est transparente. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres couleurs dans l'univers que nos yeux ne voient pas, mais que nos instruments peuvent détecter et qui ont d'ailleurs donné lieu à de grandes découvertes quand on a découvert sérieusement. Alors, si on va vers les ondes un peu plus grandes et les énergies plus faibles, on va vers la droite de ce graphe, on va vers le rayonnement infrarouge et les ondes radio. Je fais simple, hein. En fait, il y a plein de subdivisions, rayonnement millimétrique, voilà, micro-ondes, infrarouge lointain, thermique, submillimétrique, voilà, ondes radio, centimétriques, décimétriques, métriques, décamétriques, etc. Mais on va faire simple aujourd'hui, on va dire juste qu'il y a l'infrarouge au-delà du visible et les ondes radio. Et puis, si on va de l'autre côté du spectre visible, donc d'autres longueurs d'onde ou d'autres couleurs, si vous préférez. Donc on a des ondes plus petites et des énergies plus grandes. On va dans les ultraviolets, notés UV. À encore plus grande énergie, les rayons X. Et à encore plus grande énergie, les rayons gamma, notés par la lettre gamma. Et sur ce graphe, qui n'est pas encore dessiné, hein, qu'on va dessiner ensemble un petit peu plus tard, on a mis ce qu'on appelle l'atmospheric opacity, donc l'opacité atmosphérique, c'est-à-dire quand c'est à 100%, c'est que l'atmosphère absorbe tout, c'est-à-dire qu'on ne peut rien voir qui vient de l'univers, et quand c'est à 0%, c'est-à-dire que l'atmosphère n'absorbe rien, et donc on peut voir jusqu'au sol. Et puis il y a des valeurs intermédiaires. Donc voilà, donc l'opacité atmosphérique, c'est sa capacité à absorber la lumière qui vient de l'espace. Et donc si on est à 100%, ben, on ne voit rien au sol. Et puis si c'est 0%, et ben, elle laisse tout passer et on arrive à voir ce qui provient de l'univers jusqu'au sol. Alors voici un exemple théorique hein, pour l'instant. La ligne rouge, je vous ai mis une opacité à 0% atmosphérique. Donc à votre avis, opacité à 0%, est-ce qu'on arrive à voir la lumière au niveau du sol ou pas? La réponse est oui. On arrive à voir, parce que si c'est 0%, l'atmosphère n'absorbe rien. Et donc la lumière passe jusqu'au sol. Deuxième exemple. Ah bah j'ai pas mis les couleurs, tiens. Je me suis un petit peu trompé, mais c'est pas grave. Donc le deuxième exemple est en bas, toujours en rouge. Le deuxième exemple, c'est j'ai mis une opacité à 100% partout atmosphérique. À votre avis, est-ce qu'on voit quelque chose au sol ou pas? Et bah, la réponse, c'est on ne voit rien au sol, parce que si ça absorbe 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va jusqu'au sol. Donc on ne verra rien. Voilà. Et donc, pourquoi je vous introduis pour ça? C'est pour vous expliquer pourquoi on va dans l'espace. Et la question que je vous pose, alors sur WooClap, hein, mettez-vous sur WooClap.com, je lance une prochaine question. Vous pouvez mettre plusieurs choses, plusieurs choix. C'est à votre avis, quelles sont les couleurs ou longueurs d'onde qui parviennent au sol? Est-ce que les ondes radio parviennent au sol? Est-ce que l'infrarouge parvient au sol? Est-ce que le visible parvient au sol? Est-ce que l'UV, les rayons X et les rayons gamma parviennent au sol? Alors si vous pensez que ça parvient au sol, vous cliquez dessus. Et puis on verra les résultats un petit peu après. Enfin, on ne les verra pas là, mais je vous les donnerai et je vous les expliquerai. Parce qu'en effet, donc vous avez du temps pour répondre hein, à cette question. Je le laisse tant que je parle de ce sujet. En fait, il n'y a aucune raison qui fait que l'atmosphère serait toute transparente ou toute opaque à toutes les longueurs d'onde. En fait, la physique vous dit, et là, alors il faudrait, pour les plus jeunes d'entre vous, je vous indique qu'il y a plein de choses extraordinaires en sciences qu'on peut faire. C'est utile pour les sciences du climat, pour la physique, pour la chimie, même pour la biologie, etc. Comprendre l'atmosphère terrestre, c'est un sujet absolument fascinant.
et qui fait intervenir plusieurs sciences et qui est très très intéressant et passionnant. Et donc il n'y a aucune raison que ce soit constant. Hein. Voilà. Ça, c'est la physique qui vous dit ça, notamment. La physique et la chimie. Donc c'est pas constant. Donc en fait, ça peut être transparent dans une couleur et opaque à une autre. Hein, voilà. Donc c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'à votre avis, c'est opaque ou transparent dans certaines couleurs? Alors, il y a quand même une réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que dans le visible, ben, c'est transparent. Donc vous pouvez déjà dire, dans le visible, c'est transparent. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez voté et je vous donne la réponse. Enfin, un début de réponse. Voilà, je dirais ça d'un graphe de la NASA, il y a quelques années. Voilà l'opacité atmosphérique telle que mesurée. Avec le visible qui est avec son petit spectre, et puis les autres domaines. Donc vous voyez que la valeur n'est pas 0 ou 100%, hein. Il y a parfois des valeurs où c'est entre les deux. Et ça, c'est dû aux molécules dans notre atmosphère, notamment les molécules d'eau et d'oxygène, mais aussi de CO2. Et ces molécules, eh ben, parfois, elles font des zigouillis, vous voyez, entre 1 et 10 microns. Alors c'est dommage, je ne peux pas montrer avec mon doigt. Il faudrait que je trouve un système. Peut-être que ça, je ne sais pas si vous voyez la souris. Non, vous ne voyez pas la souris. Mais bon, tant pis. Faudrait que entre 1 et 10 microns, en gros à droite du visible, hein, dans l'infrarouge, il y a parfois c'est transparent, parfois c'est opaque. Et ben ça dépend des espèces chimiques qui sont dans l'atmosphère et de leur état physique. Alors, pour résumer, les zones pour lesquelles c'est opaque, c'est donc les rayons gamma, les rayons X et l'ultraviolet. C'est-à-dire que l'opacité est de 100%, c'est-à-dire que l'atmosphère absorbe. Donc, si on veut voir l'univers dans les rayons X, les rayons gamma ou les rayons ultraviolets, on ne peut pas depuis le sol. Et oui, ça veut dire que peut-être il faut aller dans l'espace. Vous voyez où je veux en venir. Dans le rayonnement visible, c'est transparent, donc on peut voir l'univers. Dans l'infrarouge proche, ou thermique, ou moyen, alors c'est entre les deux, hein. J'ai laissé transparent, mais c'est là où il y a tous les allers-retours, les zigouillis. Donc là, c'est selon la longueur d'onde. Vous avez ce qu'on appelle des fenêtres atmosphériques dans lesquelles on peut observer l'univers, mais d'autres où ça ne marche pas très bien. Et puis quand on arrive à l'infrarouge vraiment lointain, donc vers 100 microns, hein, voilà, 70 microns, et ben là on peut rien faire parce que c'est opaque. L'atmosphère est opaque au rayonnement qui vient de l'espace. Donc on ne peut pas observer l'univers entre en gros voilà, 70 microns et 2 mm. Ce que j'appelais l'infrarouge. Et puis après, ça redevient transparent dans les ondes radio. Il y a tout un domaine jusqu'à voilà, une dizaine de mètres où c'est transparent et après ça redevient opaque. Pour le rayonnement qui provient de l'univers, hein. Ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas utiliser ces ondes pour communiquer ou faire des choses. Donc vous voyez, la fenêtre d'ouverture de la lumière, puisque tout ça c'est la lumière, hein, toutes ces couleurs, ces longueurs d'onde, c'est le même phénomène physique, ce qu'on appelle une onde électromagnétique, on peut appeler ça lumière, même si ça va au-delà du visible, toutes ces lumières ne sont pas visibles, alors toutes ces lumières qui viennent de l'univers ne sont pas toutes visibles depuis le sol, avec nos observatoires au sol. Donc tout ce qui est rayon gamma, rayon X, rayon ultraviolet, rayon infrarouge, et une partie radio très grande longueur d'onde ne sont pas visibles, sont invisibles depuis le sol. Il faut aller dans l'espace si on veut les observer. Alors peut-être que ça choque certains d'entre vous parce qu'on entend quand on est à la mer ou à la montagne, ah oui, mettez lunettes, protégez-vous à cause des rayonnements ultraviolets et infrarouges. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu d'ultraviolet et un petit peu d'infrarouge qui parviennent au sol et qui causent des cancers de la peau pour l'ultraviolet ou qui causent des brûlures et l'aveuglement pour les rayonnements infrarouges si on met pas de si on se protège pas les yeux. Donc c'est vrai, mais ça concerne la partie qui est juste à côté des couleurs là dont je parle. Donc vous voyez que c'est marginal, hein, mais si on veut vraiment aller dans tout l'UV ou tout l'infrarouge, là c'est essentiellement opaque, sauf certaines fenêtres dites atmosphériques. Donc on va dans l'espace pour tout simplement voir des nouvelles couleurs de l'univers. Voilà, parce qu'on a envie de voir ça. Alors voici une image qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité, de la NASA, qui explique, alors c'est en anglais, mais c'est tiré du même document, hein, que bah, pour observer ces couleurs, ces longueurs d'onde pour lesquelles l'opacité atmosphérique est de 100%, c'est-à-dire que l'atmosphère absorbe tout, et bah, il faut aller dans l'espace.
Donc essentiellement haute énergie et infrarouge. C'est pour ça que donc on va dans l'espace. Alors voici cette image que j'aime bien, que j'ai trouvée sur le site de l'Agence spatiale européenne, qui montre la flotte de satellites actuellement en vol ou passés ou dans le proche avenir, qui observent à plusieurs longueurs d'onde. La partie en bas, vous voyez, qui est un petit peu ronde, vous voyez des longueurs d'onde. Ça va en bas à droite des rayons gamma rays, X-rays, donc rayons X, ultraviolet, optical, donc c'est le rayonnement visible. Et puis vers le milieu et jusqu'à gauche, on voit de l'infrarouge submillimétrique, donc c'est pour nous les ondes radio, hein, si je prends le vocabulaire du début de la conférence. Et puis les microwaves, donc ce sont les ondes, en gros c'est l'infrarouge très lointain pour nous. Et il n'y a pas les ondes radio parce que bah, on peut les observer depuis le sol. Alors par contre, il y a du visible, mais le visible, on peut l'observer du sol. Alors à quoi ça sert d'aller dans l'espace? Bah, vous verrez dans quelques instants. Parce que en fait, c'est notamment le télescope spatial Hubble, HST, qui est là, qui permet d'avoir quand même une acuité visuelle beaucoup plus fine dans certains cas, même si maintenant au sol, avec les grands télescopes et notamment l'optique active et adaptative, et l'interférométrie, on arrive à des résultats bien meilleurs que dans l'espace. Néanmoins, c'est quand même pratique dans certains cas d'aller dans l'espace, même pour le domaine visible. Pour soit des raisons de stabilité, d'image, de couverture du ciel, etc. Et donc il y a plein, plein, plein de satellites européens, hein, avec Planck, bah, je crois que je vais le mettre en exergue, voilà. Planck à gauche, dont je vais parler dans un instant, qui lui observe dans les ondes millimétriques, donc en gros dans l'infrarouge très, très, très lointain. Et puis au milieu, la mission Euclide européenne, sur laquelle je suis aussi impliqué, et pas que moi, bien sûr, nous sommes nombreux, qui va être lancée en 2022 et dont je parlais très brièvement parce que je crois que je passerai du temps sur Planck. J'aborderai la mission Euclide peut-être lors d'une prochaine conférence confinée. Alors il n'y a pas que ces missions d'observation de l'univers que l'agence spatiale envoie. Alors évidemment, il y a la NASA, il y a la JAXA, qui est donc l'agence spatiale japonaise. Il y a l'agence spatiale russe, hein, voilà, Roscosmos notamment. Il y a aussi d'autres agences, hein, que l'agence spatiale européenne. Mais comme c'est le, voilà, on est en Europe, j'en parle préférentiellement. Donc là, ce sont les missions d'observation de l'univers. Mais il y a aussi des missions du système solaire, dont vous avez certainement entendu parler, hein. Donc là aussi, ce sont les missions européennes, parfois en collaboration avec la NASA, bien sûr, hein, comme la page précédente, hein. Il y a des missions qui sont en collaboration, le Space Telescope et NASA et ESA, Euclide et Planck aussi, JWST aussi, Herschel aussi, ISO, il y avait aussi une contribution. Il y a vraiment des partenariats, hein, qui se font. Alors pour les missions du système solaire, on vient d'envoyer très récemment Solar Orbiter, hein, vers le Soleil. BepiColombo Colombo aussi, qui est passé il y a, je crois, une dizaine de jours, tout proche de la Terre. Alors BepiColombo Colombo va vers Mercure, mais avant d'arriver à Mercure, il fait ce qu'on appelle des flyby, donc des approches, des accélérations gravitationnelles pour pouvoir aller vers Mercure avec la bonne vitesse, ce qui n'est pas complètement simple. Évidemment, Mars Express, ExoMars, etc. Cassini-Huygens avec les Américains, et puis évidemment Rosetta, qui pour la première fois dans l'humanité, avec le robot Philae, s'est posé sur la surface d'une comète. Alors, les raisons d'aller dans un observatoire, d'aller dans l'espace, pardon, sont multiples. Je vais vous les résumer ici. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est de voir les couleurs invisible depuis le sol. À cause de l'absorption atmosphérique, de l'opacité atmosphérique, hein, je mets opacité atmosphérique. Ça concerne principalement les rayons de gamma, les rayons X, le rayonnement UV et le rayonnement infrarouge au sens large, hein, jusqu'au micro-ondes. Il n'y a pas que cette raison, je l'ai évoqué brièvement. Il y a quand on veut, dans le système solaire notamment, parce qu'il est proche, même s'il est très grand, le système solaire, voilà, il est quand même proche. C'est quand on veut étudier, faire de la télédétection. Par exemple, Solar Orbiter ne va pas aller sur le Soleil, ou Mars Express n'était pas sur Mars, il était juste à côté pour faire des mesures très précises, très proches.
de Mars ou du Soleil, ou Bepi Colombo, pareil, sera autour de Mercure, n'atterrira pas dessus, mais ça permet de faire de la télédétection de manière très très précise. Et puis il y a le troisième cas, qu'on appelle in situ, c'est-à-dire vraiment sur place. Donc si vous vous posez sur Mars, eh ben, vous êtes sur place. Si vous vous posez sur la comète Churyumov-Gerasimenko avec Rosetta et enfin, Philae, eh ben, vous êtes sur place, vous êtes dedans. Mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes dans la magnétosphère terrestre, c'est-à-dire dans l'environnement magnétique de la Terre avec les sondes cluster, eh ben, là aussi vous êtes in situ dans le plasma solaire et enfin le plasma autour de la Terre que vous voulez regarder. Donc il y a trois bonnes raisons pour aller dans l'espace, pour observer de loin. Hein. Donc là, dans l'univers, c'est voir les couleurs invisibles, parce qu'on peut, on peut pas depuis le sol, mais c'est et pour le système solaire, c'est plutôt aller en télédétection ou in situ. Alors, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité d'aller dans l'espace. Maintenant, on peut s'intéresser à comment aller dans l'espace. Parce que c'est facile à dire, ça coûte cher, c'est compliqué, l'espace est extrêmement contraignant. Comment on fait ça? Alors, pour ça, j'ai une question avec Wooklap qui va arriver. J'essaie de m'organiser. Alors, aller dans l'espace, c'est pas du tout simple. Il faut d'abord y aller, il faut un lanceur, ce qu'on appelle communément une fusée. Mais en fait, c'est un lanceur. Donc, vous mettez votre satellite, soit d'observation de l'univers, soit qui va directement sur une planète ou un astéroïde, etc. Soit juste dans le milieu interplanétaire pour observer. Vous mettez dans un lanceur et vous l'envoyez. À quelle vitesse peut-on l'envoyer? C'est la question que je vous pose. Alors, je crois que c'est la diapositive d'après. Voilà. À votre avis, je suis sur Terre. Je veux envoyer un satellite, je veux quitter la Terre, on appelle ça la vitesse de libération terrestre. À votre avis, quelle est la vitesse de libération terrestre? Alors en général, on le sait, mais vous n'êtes pas obligé de le savoir. Donc à votre avis, est-ce que c'est 0,1 km par seconde, soit 360 km à l'heure? Est-ce que c'est 1 km par seconde, soit 3 600 km à l'heure? À peu près, hein, c'est l'ordre de grandeur, hein, que je vous demande pour lequel je vous demande de voter, parce que la vraie valeur est un petit peu différente de ça. Troisième choix, à peu près 10 km par seconde, soit 36 000 km à l'heure. Ou alors, choix 4, 100 km par seconde, 360 000 km à l'heure. Donc, à votre avis, quelle vitesse une fusée doit acquérir pour vraiment quitter la Terre et partir très très loin? Donc, je vous laisse voter. Et ça s'appelle vitesse de libération. Alors. Ben, on va voir ce que c'est que la vitesse de libération. Pendant que vous votez, je vais vous expliquer brièvement. Alors, je ne vais pas vous faire toute la démo, mais c'est de la physique classique, hein, qu'on fait en première année d'université. Je vous donne la formule. La vitesse de libération, ça vaut 2 fois g, la constante de la gravitation universelle, fois la masse de la Terre, divisée par le rayon racine, le rayon de votre. De la distance à laquelle vous êtes pour quitter la Terre ici. Alors, si vous voulez partir de Mars, ce sera la masse de Mars, etc. Mais là, bon, s'agissant de la Terre, c'est comme ça. Donc, on voit qu'en fait, la vitesse de libération dépend donc de deux constantes, hein, 2 et g, mais dépend du rapport masse sur rayon, racine. Ça, c'est très très intéressant de discuter de ça. C'est-à-dire que ça dépend de la masse, plus la masse est grande de la planète ou de l'objet duquel vous voulez vous échapper, bah plus la masse est grande, plus la vitesse de libération sera grande. C'est-à-dire plus il vous faudra aller vite pour en sortir. Mais on voit aussi qu'il y a le rayon qui intervient. Donc en fait, vous pouvez avoir une masse grande avec un rayon donné, mais vous pouvez aussi avoir un rayon tout petit. C'est le cas des trous noirs. Les trous noirs ont des masses très très grandes, mais surtout des rayons très 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 petits par rapport à la masse des planètes ou des choses comme ça. Donc on voit en fait c'est la densité qui gouverne la vitesse de libération. C'est pas seulement la masse, hein. On entend parfois que la vitesse de libération, ça dépend de la masse. Oui, ça dépend de la masse, mais en fait ça dépend de la densité. Enfin, densité, c'est pas un R cube, hein, mais ça dépend de la masse et du rayon. Donc pour la Terre, vous pouvez faire le calcul, hein, la vitesse de libération de la Terre,
c'est talent. Alors, vos choix. Vos choix, et ben je vais les dévoiler plus tard, mais en gros, la réponse, c'est la réponse numéro 3, c'est de l'ordre de 10 km par seconde. En fait, la valeur est, je crois, de l'ordre de 11,2 km par seconde. Quand on y pense, hein, c'est rapide, hein? 11 km par seconde, vous voyez que c'est difficile. Alors, en fait, la fusée utilise plusieurs étages et utilise plusieurs vitesses selon plusieurs phases. Hein. Le vol, les vols spatiaux sont un peu compliqués, mais effectivement, on peut atteindre cette vitesse-là. Alors, pour info, quand même, la vitesse de satellisation, elle est plus faible, elle est de l'ordre de 8 km par seconde. Hein. Hein, et la formule, c'est gm sur r racine. Donc, avec 8 km par seconde, vous pouvez être en orbite, juste limite, et vous restez. Mais avec 11,2 km par seconde, là, vous pouvez vraiment partir très très loin. C'est la différence. Alors, si vous êtes sur la Lune, la vitesse de libération sur la Lune, qui a une plus petite masse et un plus petit rayon, vous êtes à peu près à 2,4 km par seconde. Donc, quand les astronautes américains ont été sur la Lune il y a 50 ans, ou les missions automatiques, notamment soviétiques, qui ont apporté aussi des échantillons, vous devez partir 2,4 km par seconde pour vous échapper et revenir sur Terre. Si vous êtes sur Mars, ce qui va peut-être arriver un jour, pour quelques personnes seulement, nous sommes à peu près à 5 km, oups, km par seconde. En fait, il y a la caméra qui me gêne, c'est pour ça que déjà j'écris mal en temps normal, mais là, comme je suis tout tordu, j'écris encore plus mal. Voilà. Donc voilà le genre d'ordre de grandeur, hein, c'est l'ordre du kilomètre par seconde ou de la dizaine de kilomètres par seconde, en tout cas s'agissant de la Terre, pour en sortir. Je me rends compte que je parle beaucoup, je n'ai pas encore abordé, donc comme d'habitude, je vais dépasser. L'autre question que j'aimerais vous poser, c'est maintenant que voilà, on sait qu'il faut un lanceur et une fusée pour partir, à peu près à 11 km par seconde pour partir de la Terre, qu'est-ce qui nous attend ensuite dans l'espace comme condition? Vous savez qu'il y a des conditions extrêmes dans l'espace, donc je vous suggère de m'envoyer un mot qui, selon vous, traduit là où les conditions extrêmes dans l'espace. Ça peut être le vide, voilà, ou autre chose. Donc j'attends vos avis sur ce sujet. Et puis on en parlera dans un instant. Alors maintenant, vous savez que vous voulez aller soit sur une planète ou un astéroïde ou une comète, soit voir l'univers. C'est dans ce cadre-là qu'on va se placer, nous, avec Planck et Euclide. Donc voir ce que vous ne pouvez pas voir depuis le sol. Et c'est ce que je faisais aussi avec Sirif, qui a changé de nom entre-temps. Donc il vous faut construire un satellite et un instrument scientifique de mesure de l'univers. Ça peut être une caméra ultra perfectionnée, ça peut être un spectromètre, ça peut être voilà, plein plein de choses. Il vous faut d'abord en jaune une idée scientifique précise et surtout une équipe avec des scientifiques, des ingénieurs, et vous trouvez ça dans les universités. Les universités, les laboratoires de recherche. Parce que des idées, on en a plein, mais il faut vraiment quelques idées forces qui soient à même de fédérer derrière vous une grande communauté scientifique. Si vous n'êtes que deux à vouloir faire une mission spatiale, vous aurez du mal. Parce qu'il faut recueillir beaucoup de moyens pour faire une mission spatiale. Et ces moyens, ce sont les agences spatiales en haut qui vous les donnent. Alors, il y a l'Agence spatiale européenne, il y a le CNES, hein, pour la France, NASA, etc. Vous avez aussi des industriels qui fabriquent les satellites. Parce que nous, les scientifiques, ce n'est pas nous qui fabriquons tout le satellite. Hein. Nous, on fabrique que la partie scientifique, la caméra qui va mesurer voilà, l'origine de l'univers ou l'origine des galaxies, ou mesurer la forme des galaxies, mais tout ce qui est télécommunication, gestion des données à bord, température, attitude, c'est-à-dire position, etc. Ça, c'est pas les scientifiques. Alors, les scientifiques participent à la définition, bien sûr, mais c'est pas nous qui construisons. Et là, les industriels sont très forts pour ça. À gauche, en orange, je l'ai mis en vertical. Il faut de la recherche et développement amont. Parce que si vous arrivez avec une super idée scientifique et qu'en fait techniquement elle n'est pas, disons, faisable, eh ben vous passez votre tour. Donc il faut que vous ayez dans vos laboratoires universitaires des collègues
qui développent des technologies, il y a aussi les industriels qui font ça, hein, souvent d'ailleurs c'est en partenariat, qui développent des technologies qui seront prêtes au moment où vous en aurez besoin. Et ça, effectivement, le rôle des agences spatiales et des universités est très important pour financer tous ces développements qui seront utiles. Ou pas d'ailleurs, mais enfin qui seront, c'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, même si la R&D technologique, c'est la recherche fondamentale et technologique qui à un moment peut être utilisée pour servir des buts scientifiques. En une sorte de vert clair, j'ai mis du management, parce que finalement faire une mission spatiale, c'est pas juste quelques scientifiques qui se mettent autour d'une table dans un bar et qui disent on va faire cette manip, même si c'est comme ça que ça commence, c'est pas comme ça que c'est géré, donc il faut vraiment beaucoup de management, puisque vous êtes des centaines de scientifiques, parfois des milliers de scientifiques. Et puis tout ça, toutes ces équipes, avec les industriels, les agences et, voilà, et les scientifiques, vous fabriquez un spacecraft, c'est-à-dire une plateforme, ça c'est les industriels qui la fabriquent, hein, qui permet de recevoir votre télescope et votre instrument scientifique. Et puis la dernière pièce au puzzle, c'est le segment sol, c'est-à-dire c'est nous les scientifiques qui bah, recevons au sol et analysons les données au sol de notre instrument. Parce que évidemment, nous, on ne va pas dans l'espace, même si j'aimerais bien, et même si moi-même j'ai candidaté pour être astronaute il y a quelques années. Mais j'ai perdu contre Thomas Pesquet, donc voilà, j'avais aucune chance. Donc voilà, nous les scientifiques, nous n'allons pas dans l'espace, ce sont nos instruments qui y vont. Et puis en rouge à la fin, vous avez tout le puzzle. Vous avez un satellite complet, vous avez un bon fonctionnement, votre satellite est dans l'espace, et vous pouvez faire votre mission spatiale. Alors, je reviens juste avant, vous avez le temps de répondre. Les conditions extrêmes sont de différents ordres. Donc il y a le vide. Bon, mais ça, le vide, on sait faire. Hein. Nos instruments n'ont pas besoin de respirer. Hein. Nos caméras, etc. Donc ça, on sait faire en général. Là où, donc le vide, ça veut dire pas de pression, pas d'oxygène, pas d'air. Donc ça, c'est très gênant pour les êtres vivants, mais absolument pas pour nos satellites et nos instruments. Ce qui gêne, ce sont les vibrations au décollage. Les fusées, les lanceurs, ont ce qu'on appelle un spectre de vibrations très très intense au démarrage, parce que vous avez les boosters, etc. Et ça équivaut à des chocs très très forts et pendant de longues durées. Et donc nos instruments doivent être extrêmement robustes par rapport aux chocs et aux vibrations qu'il y a au décollage. Donc ça c'est très très contraignant. La deuxième chose très contraignante, ce sont les écarts de température. Les températures peuvent varier, alors j'ai pas le chiffre exact en tête, hein, mais c'est de l'ordre de 200 degrés quand vous êtes face au soleil et moins 100 ou moins 150 degrés quand vous êtes à l'ombre. Donc sur un même satellite, vous avez un côté qui peut être hyper chaud et l'autre hyper froid, s'il montre la même face. Et donc ça, technologiquement, c'est très très difficile à accommoder avec une électronique qui n'a pas envie d'être à plus de 200 degrés et moins 100 degrés. Donc on met des systèmes de régulation thermique qui fait que bah, tantôt ça chauffe, tantôt ça refroidit, selon comment c'est conçu. Vos systèmes optiques n'aiment pas non plus, parce que si vous avez un super télescope qui a coûté voilà, 1 milliard, etc., et puis que vous le mettez à 200 degrés, il se dilate, et puis vous le mettez à moins 150, il se contracte, la qualité des images ne sera pas du tout la même. Donc ça aussi, on prévoit des choses pour que les télescopes et les parties optiques et les parties électroniques soient constantes en température. Et donc ça impose des contraintes mécaniques, techniques, thermiques extrêmement fortes sur le satellite, la plateforme, qui est censée réguler toutes ces histoires de température. Et donc ça c'est très très contraignant et ça demande beaucoup de travail et de sueur froide auprès de mes collègues, notamment ingénieurs des bureaux d'études. Et puis il y a aussi les particules. Parce que même si vous êtes dans la magnétosphère terrestre, donc la magnétosphère c'est une sorte de gros de champ magnétique qui nous protège, mais parfois quand vous allez en dehors de la magnétosphère, notamment au point de Lagrange, vous n'êtes plus dans la magnétosphère. Donc il y a plein de particules électriques qui viennent du vent solaire ou des rayons cosmiques qui viennent de la galaxie, qui frappent votre satellite, et puis qui provoquent, alors pas forcément des dégâts, mais qui provoquent dans vos données des points chauds, on appelle ça des glitches, voilà, des points lumineux, et ça fout en l'air un petit peu vos données. Donc voilà, il y a des particules, des écarts de température et des choses comme ça qui nous gênent. Alors, eh ben, on peut continuer. Je vérifie que j'ai rien oublié. On peut donner des exemples de la mission Planck. Hein, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vérifie l'heure et je vois que effectivement, comme d'habitude, je suis en retard, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai omis de dire il y a un instant que entre l'idée scientifique, alors je vais peut-être mettre les slides. Voilà.
les diapositives. Entre l'idée scientifique en haut à gauche et la R&D mon en haut à gauche et le satellite qui fonctionne de manière complète en bas à droite en rouge, il y a à peu près 20 ans de travail, parfois 25 ans, parfois 30 ans. Ça se fait pas comme ça une mission spatiale, hein. Ce sont des décennies. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, voilà, on lâche rien et on y va. Effectivement, la mission Planck n'a pas dérogé, Euclide non plus, enfin les autres non plus. Donc voilà le premier design de mon collègue Jean-Michel Lamarre, à l'époque était à l'IS, maintenant qui est émérite, hein, voilà, et je le salue s'il nous écoute, et il a fini sa carrière au Lerma, l'Observatoire de Paris. Donc en 93, voilà les premiers ébauches de dessins qu'il a fait, sachant qu'il y a eu des concepts avant, hein, de ce que pourrait être Planck. Et voilà aussi à gauche une coupe du schéma optique avec les miroirs, et puis au milieu, donc à son dessin à droite, comment pourrait être le plan focal, c'est-à-dire comment pourraient être mis les détecteurs qu'on appelle des bolomètres ici. Et vous voyez que le design final qui est à droite est finalement très très proche de l'idée de Jean-Michel au début, sauf que l'image de droite date des années, je dirais, voilà, 2006, donc quelque chose comme une quinzaine d'années plus tard par rapport au dessin sur le cahier de Jean-Michel. Alors, le concept du satellite Planck, c'est de mesurer la première lueur de l'univers, d'aller dans l'espace, et pour cela d'utiliser des détecteurs ultrasensibles, qu'on appelle des bolomètres. Et ces détecteurs ultrasensibles, avec la technologie de l'époque, hein, des années 90, devaient être refroidis à 0,1 Kelvin, donc moins 273 degrés Celsius à peu près. Et donc il faut un système innovant qui n'avait jamais volé, qui n'avait jamais existé dans l'espace, et c'est nous les Européens, et en particulier les Français, qui l'avons fait. Un système de refroidissement ultra performant, c'est ce qui est montré sur cette diapositive. Je ne veux pas aller dans tous les détails, hein, vous pourrez trouver des documentaires, vous tapez Planck, système de dilution ou refroidissement, vous trouvez les vidéos qu'on avait faites il y a quelques années. Mais c'est un système d'une complexité et d'une ingéniosité absolument incroyable qui permet de refroidir nos détecteurs jusqu'à 0,1 Kelvin. Mais donc ça demande de très gros développements instrumentaux. Donc l'instrument scientifique nous permet d'atteindre les buts scientifiques et il faut plusieurs ruses pour passer de à peu près quelques degrés Celsius à moins de 173 degrés Celsius au sein du télescope. Alors là, je vous montre l'image du télescope, je vais peut-être vous le mettre en plus grand si j'y arrive. Voilà. Planck montrait toujours la même face au Soleil, qui est le bas ici sur cette image. Donc en fait, toute la partie qui est haute sur l'image était dans l'ombre du panneau solaire qui est en bas. Donc en bas de l'image, il faisait sur le satellite à peu près 270 degrés voilà, Kelvin, donc à peu près, on est à l'échelle, hein, c'est ce qu'on avait fait avec tous mes collègues de Planck à l'époque. En vert, c'est l'échelle en Kelvin, et puis en bleu, à gauche, vous voyez l'échelle en degrés Celsius. Donc à peu près 0 degré Celsius sur les panneaux solaires. Et puis, à l'intérieur du satellite, l'électronique était à peu près à 300 Kelvin, donc à peu près à 30 degrés, hein, puisque l'électronique, elle aime bien être douillette. Hein, donc, enfin, il y avait des systèmes de chaufferette qui chauffaient l'électronique et qui régulaient. Il ne fallait pas que ce soit trop chaud non plus. Et puis, on était séparés de la partie plateforme par 8 petites structures. Et on arrive à trois panneaux qui ressemble un peu à des crêpes ou à des galettes qui sont un petit peu réfléchissantes. C'était pour vraiment évacuer la chaleur. Et vous voyez qu'avec ces trois radiateurs, on arrive tout de suite à 50 Kelvin, ce qui est à peu près moins 220 degrés Celsius. Parce que le système a été conçu pour ça. Et donc le télescope, lui, sans rien faire, entre guillemets, il est déjà à peu près à une quarantaine de degrés Kelvin. Donc moins de 170 moins de 130 degrés à peu près Celsius. Et ensuite, à l'intérieur, les instruments étaient refroidis encore plus pour atteindre la température record, vous voyez sur la gauche, de 0,1 Kelvin, donc moins de 273 degrés. Mais on n'y arrivait pas d'un seul coup, on y arrivait en trois étages, un étage à 4 Kelvin, un étage à 1,6 Kelvin et un étage à 0,1 Kelvin. Donc ça, c'est le système qui a été retenu et qui a été validé et qui a heureusement absolument fonctionné de manière magistrale. Et donc cet instrument s'appelle HFI, High Frequency Instrument, qui était conçu en grande partie à Orsay, à l'Université Paris-Saclay, qui s'appelait à l'époque Paris-Sud, avec évidemment le CNRS, le CNES, l'Agence spatiale française, et puis de nombreux partenaires, j'y reviendrai dans un instant. Et voilà les plusieurs dizaines de détecteurs à droite,
qui observait le ciel avec Planck, donc on appelle ça les bolomètres, hein, mais chaque bolomètre observait à des couleurs différentes, on appelle ça des fréquences, donc de 100 Go à 857 Go, en gros c'est les ondes micro-ondes, hein, sublimétriques. On voulait avoir plusieurs couleurs pour mieux observer, cartographier toutes les parties du ciel. Donc on observait tout le ciel, mais toutes les parties du ciel qui venaient de la galaxie, des amas de galaxies, voilà, des avant-plans, des arrière-plans, pour mieux extraire le fond cosmologique, le signal du fond cosmologique des données du satellite Planck. Et ça, j'en ai parlé la semaine dernière. Alors, dans l'instrument, on a ce qu'on appelle les bolomètres, qui sont en bas en violet. Mais avant d'arriver au bolomètre, la lumière passait dans un guide d'ondes, hein, c'est une sorte de cornet, avec des filtres, des lentilles, etc., pour vraiment sélectionner la bonne longueur d'onde, et qui répond à plusieurs besoins, à la fois des besoins optiques et thermiques. Et donc ça demandait aussi des années de développement, mais tout ça a été fait de main de maître par nos collègues ingénieurs et techniciens et scientifiques. Alors, le refroidissement de Planck est assuré par plusieurs systèmes. Le premier qui vient des Américains de JPL qui refroidit à 20 Kelvin, qui était sur le bord du spacecraft. Ensuite, un système à 4 Kelvin, compresseur, voilà, qui venait des Britanniques. Et puis notre système à 0,1 Kelvin, essentiellement français, notamment avec Air Liquide. Et tout ça, vous mettiez tout ça et vous obteniez un super refroidissement. Donc le rôle des industriels a aussi été très important pour à la fois la plateforme et puis une partie des contrats industriels pour le refroidissement et d'autres. La partie management est aussi très importante et alors parfois ça cafouille, mais voilà, c'est la vie, hein, parce qu'on est des centaines de collègues impliqués de par l'Europe et puis les États-Unis. Alors, bon, on va pas tout lire, mais il y a eu beaucoup de gens en France, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, en Finlande, Danemark, Pays-Bas, Allemagne, voilà, Belgique, Suisse, Italie, Espagne. Et donc, il fallait que tout ce petit monde travaille en cohérence, voilà, et de manière phasée, qu'il n'y ait pas de duplication, que tout ça change bien. Et donc, là, il faut du management. Et je dois dire que les scientifiques ont des compétences à acquérir en management, et voilà, mais il faut, on n'a pas le choix. Et après, ça marche bien. Donc vous voyez que dans la science spatiale en particulier, mais dans tous les domaines de la science, il faut plein de compétences, donc il faut plein de métiers. Il n'y a pas que des astrophysiciens ou des astrophysiciennes. Il y a aussi des project managers, il y a des gens qui font de la gestion de projets, gestion de personnes, gestion de crédit. Il y a des ingénieurs, des techniciens. Donc le monde de la recherche est beaucoup plus vaste que ce que peut-être les plus jeunes d'entre vous peuvent imaginer. Et donc il y a vraiment tout un tas de métiers absolument intéressants, tous intéressants selon les goûts. Et après, vous arrivez à un consortium avec de plusieurs centaines de personnes, donc, qui proviennent de plein de laboratoires, et quand vous faites des présentations scientifiques, et ben vous êtes obligé de montrer cette diapositive où on disait, ben, on remercie en fait tous les contributeurs, qu'ils soient scientifiques, techniciens, ingénieurs, managers, etc., administratifs, pour dire, ben voilà, cette mission spatiale, après plus de 20 ans de travail, n'aurait pas pu voir le jour sans tous ces gens-là et toutes ces agences de financement. Donc c'est important de le signaler à chaque fois, même si voilà, ça fait un peu sponsor, voilà, sportif avec tous ces sponsors, mais en fait là c'est vraiment du vrai travail qui a été fait par tout le monde. Et tout ça ne se fait pas gratuitement, hein. Alors évidemment les universités et les agences comme le CNRS et le CNES financent les salaires des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des administratifs. Mais voilà, il y a des contributions par pays. Alors l'instrument français HFI qui a été en grande partie conçu à Orsay, vous voyez en haut à droite qui a financé. Il y avait voilà, la moitié qui provenait de la France, donc le plus gros contributeur, mais vous avez aussi le Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Canada et Allemagne, à des degrés divers. Et puis, ça impliquait une quinzaine de laboratoires, des industriels, des ingénieurs, techniciens, administratifs, voilà, et des centaines de scientifiques. Donc, c'est une très, très grande et très belle aventure que je relate dans mon livre Le côté obscur de l'univers. Alors, vous arrivez avec votre instrument, et votre instrument, eh ben, vous le testez, comme je vous ai dit au début, hein, il faut
Il faut que votre instrument d'abord fonctionne, soit bien connu, c'est un prototype, donc il faut le tester pour s'assurer qu'il répond à vos exigences scientifiques, hein, que les performances sont bonnes, etc. Vous le testez aussi parce que vous êtes sûr qu'il casse pas, donc vous lui faites subir des vibrations pour être sûr qu'il survive au décollage. Et donc voilà une image prise à Orsay, l'Institut d'astrophysique spatiale. C'est à Orsay, ça? Oui, je crois, oui. J'ai un doute, mais oui, non, c'est la queue Saturne, ça. Donc, pour les tests en froid, donc c'est Marie Chara qui a fait ces photos. Après, eh ben, vous intégrez, vous envoyez ça chez l'industriel. Alors, je crois que c'était à Cannes, chez Thales. Et puis, l'industriel, lui, prend votre instrument scientifique et le met dans le satellite. Et là, vous voyez ce qu'on appelle le plan focal, c'est-à-dire en gros la caméra, ou là où la lumière va converger et permettre d'obtenir ces images de la première lueur de l'univers, qu'elles font cosmologiques, et puis de tous les avant-plans. Vous avez HFI, donc notre instrument essentiellement français, qui est au centre, et puis l'instrument essentiellement italien, LFI, qui est au bord. Et il y avait vraiment de très fortes contraintes techniques de bien les placer l'un par rapport à l'autre. Et voilà où ça a été fait à Cannes, chez TASS, enfin Thales Alenia Space. Et ça a été un très très gros travail. Et nos collègues industriels ont fait vraiment du super boulot pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Ensuite, on a fait des tests complets du satellite. Alors, ça, c'était à Liège, je crois, au Centre spatial de Liège. Donc, vous voyez nos collègues de l'IAS et puis de l'ESA. Dans une énorme cuve, et puis on teste le satellite au rayonnement, aux vibrations, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ensuite, vous faites un beau paquet cadeau, vous le mettez sous atmosphère neutre, hein, parce que les bolomètres de Planck ne pouvaient pas être à l'air libre, et vous mettez ça dans un gros avion, et vous envoyez ça à Kourou. Et ensuite, vous lancez, on va en parler dans un instant. Il y a aussi le segment sol dont je vous parlais. Le segment sol, voici une image que j'ai prise au moment de la mission Planck, prise à Orsay à l'IAS, quand les données arrivaient en direct, parce que les données nous arrivaient, hein, on était maître d'œuvre de l'instrument, donc ça arrivait chez nous à Orsay. Et donc, si vous regardez l'écran d'ordinateur tout à gauche, il y a une petite ligne en haut qui est verte, ça veut dire que les données étaient en train d'arriver du satellite directement via les ogs de Darmstadt. Et puis les antennes, donc soit de Madrid, soit d'Australie, les antennes européennes, qui étaient connectées directement au satellite. Et donc, le segment sol, ça consiste à recevoir les données, les mettre en paquets cohérents, parce que c'est un peu comme Internet, hein, les données, elles arrivaient un peu en ordre dispersé, donc il fallait qu'on les remette en ordre. Et puis on envoyait ça au Data Processing Center de Paris, donc à l'Institut d'Astrophysique de Paris, où nos collègues avaient conçu le niveau 2, hein, L2, le level 2, où vraiment les données sont traitées. Nous, on faisait le level 1 à Orsay, qui vraiment consiste à récupérer les données, les mettre en forme et s'assurer de leur bonne qualité. Et donc le CNES nous avait payé notamment, enfin pas que le CNES, mais essentiellement un super ordinateur dédié. Alors je parle de ça, c'était il y a 10 ans, hein, plus de 10 ans, 13 teraflops, pour dédier à l'analyse des données Planck et aux simulations. Donc voilà, 1000 cœurs. Et donc j'avais fait le calcul, c'est mon collègue ingénieur qui avait fait le calcul, que le traitement des données Planck, si je l'avais fait sur un petit micro-ordinateur d'aujourd'hui, ça aurait nécessité 6 ans de calcul et l'équivalent de plusieurs DVD de lecture par seconde. Donc c'est pour ça que les ordinateurs, disons, standards ne permettent pas de faire ce genre de calcul, parce qu'il faut vraiment un débit de données, on appelle ça IO, enfin entrée-sortie, absolument énorme, chose que les petits ordinateurs standards ne peuvent pas fournir, et puis une puissance de calcul assez conséquente sous forme de, voilà, de cluster. Donc le segment sol était très utile, et voilà, j'ai eu la chance aussi d'y participer. Et puis donc vous, avant le lancement, vous retestez tout, vous remplissez ça c'était en Guyane, toujours pris par Maryse, vous remplissez les réservoirs, etc. Et puis voilà, votre satellite est prêt, vous êtes à Kourou. Et alors moi j'y étais pas, mais mes collègues y étaient. Et voilà, vous attendez le grand jour qui arrive. Et une Ariane 5 s'élance, et puis vous avez Planck en bas et Herschel en haut, et vous avez une belle mission. Une belle mission qui est lancée. Alors je regarde l'heure.
Alors Planck, une mission extraordinaire, hein. Alors même si elle date d'il y a quelques années, c'est vraiment la mission définitive pour mesurer le fond cosmologique et plein d'autres choses. 2 tonnes, 2 super instruments, une dizaine de bandes d'observation, enfin 9 exactement, 50 000 composants électroniques, presque 50 000 litres d'hélium embarqués. 1600 watts de consommation. Alors, on n'a pas mis, je crois, le nombre de documents, mais je crois que c'était des dizaines de milliers de pages de documentation pour construire l'instrument, etc. Et puis, la mission a été un très très grand succès parce que on comptait voler à peu près un an et on a volé beaucoup plus, quelque chose comme 27 mois. Donc, ça a très très bien, très très bien fonctionné. Et donc on a fait toute la chaîne, depuis l'idée scientifique jusqu'aux données. Alors les données arrivent, grand moment, ah juste, c'est pas apparu les données. Bon, bah, c'est pas grave, vous verrez pas les premières données, mais je sais pas pourquoi c'est pas passé dans la diapositive. Mais je vous les remontrerai après, j'espère, voilà. On était très contents parce que la grande angoisse, bah, on est des scientifiques et il y a des ingénieurs, donc on sait comment le système fonctionne. Mais enfin, quand vous êtes dans l'espace, il peut toujours y avoir des soucis. La grande angoisse, c'était que le refroidissement essentiel au fonctionnement du satellite Planck, en particulier l'instrument HFI, ne soit pas nominal. Et ben, très vite, au mois de juillet, vous voyez à droite, on a été rassuré parce que la température, vous voyez, décroît avec le temps, hein, puisqu'on est lancé à chaud. Il fallait attendre quelques semaines que tout dégaze, que tout soit bien stable. Et puis ensuite, on a lancé le refroidissement du satellite et surtout de l'instrument. Et on arrivait de manière nominale à la température de 0,1 Kelvin début juillet 2009. Et on était rassurés parce qu'on savait que la mission pouvait commencer. On avait enfin des données. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, mais ça, ce sont les vraies données du satellite Planck. Vous avez à peu près 2 minutes d'observation, le temps en secondes, sur l'axe horizontal. Et puis, sur l'axe Y, vous avez l'intensité que vous voyez chacun des bolomètres. Alors, on en a montré qu'à plusieurs longueurs d'onde, hein, plusieurs fréquences. Ils ne voient pas la même chose. Certains voient la galaxie, d'autres voient le fond cosmologique. Et puis, la petite forêt, là, les petits traits, ce sont les glitches, ce sont les particules de rayons cosmiques qui frappent le détecteur et qui nous gênent. Mais on était très content de voir ça, on savait que la mission allait être vraiment réussie et que tout allait bien se passer. Alors il a fallu beaucoup de travail pour passer de cette image à la suivante. Cette image, ce sont les images brutes, où vous voyez donc le signal en fonction du temps, de Planck, et puis vous avez cette forêt de glitch. Et l'image d'après, les glitches ont été enlevés, vraiment nettoyés. Et en fait, mine de rien, c'était très très difficile de passer de l'un à l'autre pour vraiment nettoyer. Et on a dû masquer, je crois, voilà, une dizaine de pourcents des données. Mais c'était nécessaire pour avoir vraiment de très très bonnes données. Alors les grands pics que vous voyez, en fait, c'est la Voie lactée, le centre de la galaxie, qui passe parce que Planck faisait un tour, à peu près un tour par minute sur lui-même, et donc revenait. Et donc c'est pour ça qu'on voit une sorte de modulation comme ça, d'un tour par minute. Et alors la première image, moi, qui nous fait trembler d'émotion pour ceux qui ont participé à l'aventure, c'est celle-ci. On appelle ça le petit S, hein, c'est une petite bande où on voyait vraiment les données du satellite Planck, qui montraient qu'elles étaient extraordinaires et on voyait déjà le fond cosmologique comme jamais on l'avait vu. Et donc c'est ce qu'on appelle le First Light Survey, le FLS, qui a été publié, je crois, en juillet 2009. Non, en septembre 2009. Il a été fait en juillet-août, mais il a été publié en, je crois, septembre 2009, donc ça commence à faire, hein. Ça fait plus de 10 ans, mais c'était une très très grande émotion. Et puis voilà les premiers résultats qu'on avait publiés, donc les 9 images de tout le ciel, des toutes premières données du satellite Planck. Alors je vais pas refaire tout l'historique, mais maintenant on obtient, voilà, des données extraordinaires. Je n'ai pas mis l'image 2018, je crois que c'est, je l'ai mise après, mais voilà. Mais ça, c'est l'image du fond cosmologique, donc la première fluctuation que nous pouvons voir, c'est une photo de l'univers prise à peu près 370 000 ans après le Big Bang. Hein, j'en ai parlé la semaine dernière, si vous voulez des détails. Et donc, ces petites vibrations que l'on voit, on les analyse avec des spectres de puissance angulaire pour mieux comprendre la présence de matière noire, de matière ordinaire, matière baryonique, et puis, ce faisant, de mesurer l'âge de l'univers et puis avec d'autres données, le taux d'expansion. Et donc les derniers résultats du satellite Planck sont les suivantes. Le fond cosmologique en haut,
la polarisation de cette lumière du fond cosmologique au milieu et la matière noire révélée grâce on appelle ça le lensing, enfin la distorsion gravitationnelle due à la matière noire sur la lumière du fond cosmologique, CMB lensing. Ça nous permet de révéler la présence de matière noire dans l'univers. Et donc ces images sont extraordinaires et on les a publiées. Voilà les tout derniers résultats 2018. Donc si vous vous rappelez, hein, les premiers dessins de Jean-Michel Lamarre, qui étaient déjà, disons, le résultat d'une réflexion déjà très intense, donc c'était 93, ça veut dire que ça avait commencé bien avant. Et dernier résultat, 2018. Voilà. Donc ça fait 18 plus 7, 25 ans, je crois. Donc 25 ans de travail. Voilà. Et plus, hein, parce que ça a commencé avant. Alors, ça tombe bien, je crois que nous arrivons à l'heure, donc je ne voudrais pas trop dépasser, mais je vais vous dire un mot de la mission Euclide, et puis j'en parlerai lors d'une prochaine conférence Confinée Astro. La mission Euclide, aussi extraordinaire, mission européenne, ça ressemble à Planck dans son management et dans ses équilibres. C'est surtout une mission dominée par la France et l'Italie. Comme l'était Planck. Alors on n'observe pas du tout aux mêmes longueurs d'onde. Là on observe dans le visible et dans le proche infrarouge, avec notamment un instrument français réalisé en grande partie à Marseille, et puis un instrument plutôt britannique, visible, qui est ici, qui sera la plus grande caméra pour faire des images jamais lancées dans l'espace. Et c'est européen. Alors techniquement la plus grande caméra jamais lancée. Elle est européenne, mais c'est le satellite Gaïa qui est déjà en vol. Mais sa caméra est coupée entre de l'imagerie et de la spectroscopie. Et donc, en imagerie pure, ça sera Euclide qui sera la plus grande caméra. Vous voyez la taille, hein? Vous voyez la taille d'un collègue du CEA, parce que c'est le CEA qui fait l'intégration finale. Plus grande caméra, 600 millions de pixels, vous voyez la taille, plusieurs centimètres, vraiment un bijou de technologie. Et puis l'instrument aussi infrarouge proche, qui est aussi un bijou de technologie. Et donc on lancera Euclide en 2022 sur une Soyouz, normalement, depuis Kourou. La mission Euclide a pour objectifs scientifiques principaux de mesurer la présence de matière noire et d'énergie sombre. On appelle le Dark Universe, donc l'univers sombre, parce que c'est un grand mystère de la cosmologie d'aujourd'hui. Hein. Je crois que je l'ai évoqué lors des conférences précédentes. Et donc pour cela, on va mesurer des milliards et des milliards de galaxies, donc avec des images extraordinaires d'une qualité quasiment celle du télescope spatial Hubble aujourd'hui, mais sur tout le ciel, enfin quasiment tout le ciel. On va éviter la Voie lactée parce que la Voie lactée nous gêne. On va mesurer des images de milliards de galaxies, et grâce à ces images, on va faire des études statistiques pour mesurer les formes des galaxies, et donc mesurer par effet de l'anti-âge gravitationnel la présence de matière noire, et puis par effet de corrélation des galaxies, on appelle ça les BAO, Baryonic Acoustic Oscillations, donc les oscillations baryoniques acoustiques, par corrélation des galaxies, on va mesurer le taux d'expansion de l'univers, notamment, et donc l'effet de l'énergie sombre. Et ça va être extraordinaire. Et donc, moi aussi, je suis impliqué notamment dans le segment sol et les groupes scientifiques. Donc, je ne vais pas plus en parler parce que je dépasse un petit peu. Alors, je vais passer à la partie lecture et puis après, je répondrai à vos questions. Mais normalement, j'y ai répondu en chat. Alors, les conseils de lecture, je vais me remettre en plein écran si ça ne vous dérange pas. Comme toujours, sur les réseaux, moi, je vous conseille de regarder les sorties d'intérieur de la Diagonale Paris-Saclay, hein, qui est le service. Art, culture, sciences et sociétés de l'Université Paris-Saclay, où tous les jours on publie des bons plans, pas que de nous, hein, aussi, voilà, du Louvre, du Centre Pompidou, d'autres institutions, de choses vraiment intéressantes à faire, à tous les âges, petits et grands, pour agrémenter la période. Alors, les livres qui ont plus ou moins à voir avec le sujet, mais mon très cher collègue et ami Julien Bobroff, qui fait des choses extraordinaires, j'espère que vous suivez ses conférences confinées. Avec beaucoup d'expérience à faire chez soi et en famille, a publié un livre qui est vraiment très très bien, qui parle des découvertes de la physique quantique et des expériences. C'est super bien fait. Ça s'appelle Mon grand mécano quantique, c'est chez Flammarion et je vous le conseille. En plus, c'est illustré par des gens très très bien. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Je vous conseille parce qu'en fait, une partie des découvertes qui sont là se retrouve dans le satellite Planck. Parce que tout ce qui est cryogénie, supraconductivité, etc., nous on l'utilise pour refroidir nos instruments, mais ce sont des découvertes de physique quantique. Donc je vous conseille
cet ouvrage qui est très très bien écrit, qui se lit comme un roman parce qu'il raconte la découverte. Carlo Rovelli, qu'on ne présente plus, qui est physicien théoricien, qui écrit beaucoup et très très bien. J'aime beaucoup ce livre, Anaximandre de Millet, parce que, évidemment, il parle de lui, on apprend beaucoup de choses, mais le sous-titre est très important, ou Naissance de la pensée scientifique. Et finalement, il explique ce qu'est la pensée scientifique. C'est quoi une théorie, comment ça marche, etc. C'est très très bien écrit, donc je vous le conseille, voilà, chez Dunod. Pour élargir nos horizons, je vous propose de Jérôme Clément, La culture expliquée à ma fille. Les semaines passées, je vous avais montré, je crois, alors je les ai déjà rangées. Ah non, j'ai dû les mettre là. Voilà, je vous avais présenté la semaine dernière les livres d'Hubert Reeves et de Jean-Marc Lévy-Leblanc sur voilà, l'univers expliqué à mes petits-enfants et la science expliquée à mes petits-enfants. Et dans cette collection, que vraiment je vous recommande, hein, même si vous êtes adulte, hein, ou étudiant, ou etc. Hein, c'est voilà, la culture expliquée à ma fille, c'est quoi la culture? Et on en a particulièrement besoin en général, et en particulier en ce moment. C'est très très bien écrit et on voit que la science fait partie de la culture. Voilà. Et puis là, donc bon, je lis beaucoup de romans, mais enfin, je n'ai pas de légitimité à vous en proposer, mais il date d'il y a quelques années. Malice de Kerangal, qui est une autrice voilà, très très connue. Le Monde à portée de main, qui, pareil, tous ses livres sont vraiment géniaux, mais pourquoi celui-là? Parce que, alors je ne sais plus quelle page c'est, mais elle s'est très bien documentée. Elle parle du fond cosmologique vu par Planck. Alors, elle ne le dit pas comme ça, mais à un moment, c'était. Moi, j'ai trouvé ça lumineux parce que voilà, j'adore ce livre, enfin, comme d'autres. Hein, voilà. Mais vraiment, je vous le conseille. Ça fait rêver. C'est très bien pensé, très bien écrit. La narration extraordinaire. Et puis, voilà, il y a cette petite touche qui, moi, m'a ému quand elle a parlé du fond cosmologique. Alors, voilà, c'était les conseils de lecture de la semaine. Et bien maintenant, question-réponse. Donc, je suis en chat normalement bah, en même temps. Et puis, bah, je vous propose de poursuivre la discussion sur le chat. Donc, je vais laisser l'écran d'accueil encore quelques minutes pour discuter. Et puis après, nous terminons. Donc, à vos claviers pour la discussion. J'espère que cette conférence confinée astrophysique vous a plu. Je ne sais pas ce que j'ai mis après. Voilà. Moi, en tout cas, ça me plaît toujours de le faire. C'est un peu de travail, je dois vous dire, mais bon, écoutez, on est là pour ça. Parfois, c'est préparé un peu à la va-vite, mais bon, j'espère que ça se voit pas. Mais en tout cas, les coulisses sont pas très très belles à voir parce que parfois, c'est fait très rapidement, mais bon. La semaine prochaine, je compte vous parler. Alors, d'Euclide, peut-être que je sauterai une semaine. Je vous parlerai des prix Nobel 2019 de physique qui parlent d'astrophysique. Donc voilà, Michel Mayor, Didier Queloz et Jim Peebles. Et donc ça parle d'exoplanètes et de cosmologie. Donc je me disais que je pourrais vous parler de ça. Si j'ai le temps de préparer, je vous parlerai aussi d'autres prix Nobel en lien avec l'astrophysique. Et puis toujours des conseils de lecture et des questions. Si vous avez des sujets que vous aimeriez me voir traiter, vous pouvez les suggérer. Alors, moi, je ne suis pas omniscient, hein. Les scientifiques, vous savez, ne savent pas tout. Néanmoins, si ce sont des sujets que je peux traiter, eh ben, écoutez, je m'en priverai pas. Soumettez-moi vos idées sur Twitter ou sur le chat. Ça serait intéressant de voir vos attentes. Alors, je comptais peut-être un moment parler de trous noirs. Alors, je ne suis pas l'expert, hein, mondial des trous noirs. Hein. Mais bon, je peux parler un petit peu des trous noirs, des ondes gravitationnelles, ça, c'est une chose que j'avais envie d'aborder. Mais voilà, si vous avez d'autres idées ou si vous voulez que je réaborde certaines notions que j'ai déjà abordées, eh ben, vous êtes les bienvenus de me le dire, parce que moi je serais ravi de détailler des choses, mais bon, comme je sais pas trop à quel niveau on se place, voilà, je ne sais pas trop approfondir. Mais... Donc si vous voulez que je réaborde des notions, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc j'espère qu'entre temps vous avez trouvé quel était SLIF. Je vous le dis, allez. C'est la mission qui est devenue Spitzer Space Telescope de la NASA et pour laquelle j'ai contribué plusieurs années à la NASA quand je travaillais là-bas. Et donc SLIF voulait dire, c'est écrit là, mais voilà, Space Infrared Telescope Facility, qui était donc le nom de code de Spitzer avant qu'il devienne Spitzer, du nom du scientifique Lyman Spitzer qui a un peu inventé le concept de télescope spatial. Voilà. Ben, portez-vous bien, on continue à discuter en chat et puis à la semaine prochaine. Ciao!